Bonjour, je suis Alexandre Becquet, graphiste et formateur chez CIA Design. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une mise à jour qui est très récente, de février 2015, sur InDesign CC, qui concerne les éléments. Donc, avant, dans InDesign, quand on créait des éléments sur différents calques et qu'on les regroupait, voilà, on avait tous les éléments qui arrivaient sur un seul calque. Et ensuite, quand on voulait remettre ces éléments sur le bon calque, il fallait les faire à la main. Dans cette nouvelle version, enfin, c'est plutôt cette nouvelle mise à jour de CC 2014, il suffit de dégrouper les éléments pour voir qu'ils reprennent leur place. Vous voyez ici, en bleu, un autre bleu, un rouge et un vert. Si je les groupe, CTRL G, ils sont tous sur un calque, très pratique pour les déplacer. Mais maintenant, en dégroupant, CTRL majuscule G, ils reprennent leur position initiale sur leur calque d'origine. Donc on peut les bouger. Voilà pour ce qui est de cette petite amélioration. Je voulais aussi vous parler de la création d'un tableau. Vous voyez ici, avant, créer un tableau. OK. Maintenant, on peut directement créer notre tableau. Avant, dans les versions précédentes, il fallait créer un bloc de texte. Un bloc de texte, pardon. Ici, il suffit, comme vous l'avez vu, de venir dans Tableau, CTRL, ALT, majuscule T, comme on voit ici, ou ici, voilà. Nombre de lignes, nombre de colonnes. Allez, je vais en faire 12. OK. Voilà, mon tableau, je voudrais qu'il soit comme ça. Voilà, il va s'adapter. CTRL ALT majuscule T, je vais faire un autre tableau de 6, bien plus petit, hop, voilà. Très simplement, je viens de créer des tableaux, ce qui est bien plus pratique pour le flux de travail. Je vous avais aussi parlé dernièrement de la bibliothèque d'InDesign, qui est identique à celle de Photoshop et d'Illustrator. Comme vous voyez ici, j'ai fait une petite illustration dans Illustrator. Il suffit de venir la poser dans InDesign. Et voilà. Je fais par exemple l'arrière du vaisseau des Star Wars. J'ai choisi cette couleur. Il suffit de cliquer dessus. Majuscule X pour remplir, majuscule X pour les contours, pour revenir au contour ici, je veux que ce soit rempli. Hop. Par contre, pour le contour, je vais dire, voilà. Il suffit de cliquer. On voit, vous voyez, si je change la couleur, il suffit de cliquer sur mon panneau couleur. Je peux créer autant de bibliothèques que j'ai envie selon mes projets. Je peux trier. Je peux ajouter une couleur. C'est très évolutif. Je peux renommer. Et si je fais collaborer, j'ai. Ici, voilà, vous voyez la fenêtre collaborée de ma bibliothèque où je peux indiquer l'adresse email de la personne qui souhaite collaborer et le message. Et j'invite. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était quelques petites nouveautés d'InDesign CC avec cette mise à jour de février 2015. Je reviendrai avec d'autres nouveautés, d'autres astuces très bientôt.
Merci.